Hello, hello, mes belles âmes intuitives, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ton énergie de ce mardi 3 janvier 2023. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien de ton côté. Je te souhaite encore une bonne reprise si tu reprends demain, hein, et merci du fond du cœur pour tes likes, tes commentaires et ton soutien. Merci, merci, merci. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant juste sur le bouton rouge qui se trouve à droite de ton écran. Allez, on est parti, let's go. On va aller regarder l'énergie finale, enfin non pas finale, principale plutôt, autant pour moi, avec le Rider-Waite. Et on ira voir le petit message qu'il va nous délivrer en ce mardi 3 janvier. Allez, go. Hop, la reine de coupe. Ok, la reine de coupe. Bon, alors avec cette reine de coupe, j'ai envie de te dire, là, ça va être un petit peu une journée demain, peut-être d'introspection. C'est comme ça que je perçois les choses, hein. D'introspection, de réflexion, de nostalgie également. Hein, on voit, hein, voilà, les coupes, hein, sont essentiellement basées sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est également ressenti, intuition. Mais là, dont la carte, comment la figurine est placée, regarde quand même vers le passé. Alors peut-être qu'en cette journée, en tout cas du mardi 3 janvier, ça va être une journée où peut-être que tu vas repenser à tout ce que tu as pu faire en 2022, tout ce que tu as pu mettre en place également, hein, et voir peut-être effectivement s'il y a des choses qui se sont concrétisées, si éventuellement il y a des choses où tu souhaiterais travailler davantage en 2023. Là, avec cette carte-là, ouais, je sens quand même que ça va être une journée un petit peu d'introspection. Voilà, c'est le maître mot, d'introspection, peut-être que sur l'année 2022, pour pouvoir un petit peu voir 2023, sur quoi éventuellement tu es amené à travailler, si tu as envie de travailler bien sûr sur ça, sur peut-être ta problématique ou la situation que tu as envie, en tout cas, que ça ne se reproduise plus. Ça peut être, hein, voilà, une situation cyclique ou voilà, relationnelle, tu vois, en fonction de ta situation. Mais je pense qu'en cette journée, ouais, on va te demander vraiment voilà, ça va être une journée un peu nostalgique pour moi. Allez, on va aller voir quand même le message général de l'oracle italien. On va aller voir. Allez, c'est parti. Hop. Allez, go. Il y a une belle carte là qui est. Je l'ai vue, je l'ai vue. Bon, comme d'hab, hein, j'espère que là, mes cartes vont être droites. Hop. Comme d'habitude, hein, je le répète et je ne cesserai de le répéter. N'oublie pas, hein, que ça reste une interprétation générale. OK? Donc, si le message te parle, c'est que du bonheur. S'il ne te parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Hein? Hop. Deux, trois. Bon, on va les remettre un peu droite là. J'ai l'impression que c'est un peu de travers. J'ai juste l'impression. Je vais les remonter également. Voilà. Voilà. Allez, on va regarder en d'autres decks. Oh, ouais. Ouais. Alors, pour moi, là, effectivement, avec cette carte-là, on parle de fin. On parle d'un. La fin d'un cycle, la fin d'une situation. Je te parlerai également de la fin d'une tempête. Alors peut-être pour certaines personnes, là, j'ai envie de te dire, il y a eu ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être tu as eu des soucis de santé qui t'ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup voilà, de repos. Là, on te dit que après la tempête, hein, comme je le dis souvent, vient le beau temps et là, voilà, on sent que, y a un travail qui a été fait, il y a des résultats qui vont arriver à toi. On te dit effectivement qu'il y a la lumière de toute façon au bout du tunnel. Ok, bon, écoute, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Ah ouais, tu vois, c'est cette carte-là que j'imaginais. Ouais, voilà, on sent il y a la niaque, il y a l'envie, il y a vraiment cette dynamique de réussir surtout. De réussir peut-être personnellement, mais de réussir aussi. Dans la vie, tout simplement, d'être plus aussi connecté,
connecter et de te sentir vraiment à ta place. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens hein, avec aussi bien avec la reine de coupe que avec cette carte-là. On sent que cette année, il y a cette vivacité, il y a cette envie, en tout cas, de te démarquer et de faire surtout ce que tu as envie et que ça soit payant. Tu vois, avec cette carte-là, on dit que ça y est, il y a la légèreté, il y a vraiment tout ce qui est joie également qui se présente à toi. On sent que, voilà, peut-être que cette introspection, en tout cas cette remise, je dirais pas en question, mais cette remise peut-être sur cette année 2022, là, va te permettre de pouvoir dire, bon, allez, maintenant, sur 2023, sur quoi je tape? Je vais sur ça, sur ça, sur ça, et j'y vais. Je mets, on va dire, je passe la deuxième. Voilà, je ne reste pas procrastiner sur la première, je passe le levier. Et je mets la marche, let's go, troisième, je dirais même. On sent quand même que là, ouais, il y a de belles énergies. Il va y avoir une belle initiation aussi, une initiative de ta part. Alors peut-être que tu as prévu hein, de te former à quelque chose ou tout simplement de suivre une formation en interne. Là, on sent qu'il y a quelque chose de très, très, j'ai envie de te dire, puissant dans le sens où on a l'impression que tu vas, tu en. Tu enclenches les choses en fait. Les choses ne viennent pas à toi naturellement, mais toi tu fais en sorte qu'elles viennent et tu enclenches, voilà, tout simplement la deuxième. Hein? Ouais, tu vois, regarde. Le blé, comme on dit, le blé, c'est tout ce qui est un petit peu richesse, tout ce qui est abondance également. Donc là, ouais, pour moi, il y a quand même de très belles choses qui sont en train d'arriver ou qui se mettent en place petit à petit, hein, et qui vont te permettre, voilà, à arriver à un moment donné de juste d'admirer. Vraiment d'admirer le travail que tu as fait et de te dire waouh, waouh, j'en suis arrivé là, ça veut dire que j'en suis capable et que j'ai vraiment fait le nécessaire pour arriver où j'en suis. Donc, vraiment, là, c'est de très belles cartes. Oui, tu vois, on te parle du consultant. Donc, c'est vraiment bien toi qu'on parle. Tu vois, c'est même pas quelqu'un de ton entourage ou quoi que ce soit. Là, ce tirage-là est vraiment centré sur toi. Il y a un travail énorme qui a été fait. Et qu'aujourd'hui, on va peut-être, voilà, tout simplement, ça revient un peu à l'énergie de la semaine, hein, tu vas récolter ce que tu as semé. Et moi, je pense que d'ici 3 mois, il y a un changement qui se prépare pour toi. Il y a un changement, tu verras en fonction de ta situation. Pour certaines personnes, pour moi, ce sera un changement de développement personnel. J'ai comme cette impression que tu vas... Il y aura une autre personne qui va sortir de toi, j'irai pas sortir de toi, mais qui va être mis en lumière. J'ai cette impression que tu as cette créativité, que tu as cette capacité, que tu as des choses en toi, mais qu'elles ne sont pas encore sorties, elles ne sont pas encore mises au goût du jour. Et que là, je pense que d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il va se passer quelque chose où ça va dire waouh, ça y est, j'ai libéré quelque chose, je me sens vraiment plus en adéquation avec ce que je veux. Avec ce que j'ai envie également. Ouais, attends-toi quand même à quelque chose d'assez, j'ai envie de te dire, d'assez beau et d'assez salvateur pour toi, franchement. Il y a déplacement également, hein. Il y a un petit déplacement, alors peut-être pour certaines personnes, là, vous avez prévu de faire un déplacement peut-être le week-end prochain, vous avez prévu de faire une petite fête avec vos proches et vous avez besoin de vous déplacer. C'est pas un grand déplacement, c'est un petit déplacement, ok? Hein, et que peut-être justement ce déplacement pour d'autres personnes, il y a ce déplacement en lien peut-être avec un examen médical qui arrive à grands pas, hein, mais on te dit que de toute façon pour moi il y a la lumière au bout du tunnel, ok? Il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Donc peut-être pour certaines personnes effectivement il va y avoir un déplacement, hein, ou d'ici 3 mois peut-être que là il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être une nouvelle destination qui vous attend, il y a peut-être également un nouveau chapitre, voilà. Ok, et on parle d'une personne blonde, voire châtain clair. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Oh, on parle même d'un couple. Ah. Alors, est-ce que tu es en couple et que du coup, vous avez prévu de faire quelque chose justement d'ici 3 mois ou d'ici le printemps, qu'il y a un nouveau projet qui va peut-être voir le jour ou que tout simplement, bah, vous allez décider du jour au lendemain, allez, on fait un petit voyage, on part. Un week-end, se ressourcer, on prend du temps juste pour nous. Vraiment, ça peut être possible, la possibilité aussi, parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose
Ça va vous faire du bien, voilà, pour recharger les batteries également. Ok? Ah, et on dit que c'est assez rapide. Ah, alors peut-être que pour certaines personnes, effectivement, votre chère et tendre ou va vous proposer de partir un week-end, voilà, pour vous ressourcer. Hein. Parce qu'on parle quand même, c'est assez rapide, c'est furtif. Donc peut-être que là, d'ici peu, on va dire, il y a peut-être une surprise qui va arriver à vous. Effectivement, une surprise, les ballons. Voilà, attendez-vous à peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vous propose, alors forcément, si vous n'êtes pas en couple, hein, ça peut être très bien une amie ou ça peut être quelqu'un de proche qui vous propose justement de partir vous ressourcer, soit un petit week-end ou au bord de mer ou à la campagne également, hein, mais qui va en tout cas vous permettre de vous reposer, de vous faire du bien surtout et de ne penser à rien d'autre qu'à vous surtout. Et la conclusion, ouais, ok. Pour moi, ouais, je pense que là, il y a un petit week-end qui est en train de se préparer. Là. Il y a un petit week-end, alors je ne dis pas que c'est 8 jours ou 15 jours, hein, mais je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y a un petit week-end là, qui se prépare, un petit déplacement qui va te permettre, enfin en tout cas, qui va permettre aux personnes hein, voilà, de prendre du recul, du temps pour eux, parce qu'on voit que là, il y aura de la lecture, il y aura des bouquins, il y aura prendre du temps. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une formation qui arrive également à vous, hein, okay, qui va, comme je vous l'ai dit, soit c'est en interne, soit c'est en externe, on est d'accord, mais assez rapidement, pour moi, là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc, je vous dis, soit c'est une formation, soit vous allez apprendre que vous avez le financement, justement, pour faire cette formation-là, hein, mais pour moi, là, c'est quand même, c'est un tirage plus que positif. Je ne vais pas tirer l'énergie principale avec celui-là, je vais prendre, du coup, je vais retrouver celui-là en faisant un tri dans mes oracles. On va prendre du coup le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire pour cette conclusion, pour ce tirage du mardi 3 janvier 2023. Allez, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour conclure ce tirage? L'existence. Wow, elle est belle cette carte. L'existence et on a la plénitude. Alors ça, si c'est pas beau, ça. On garde ça un peu, la plénitude. Le contrôle. Ouais, peut-être lâcher prise également. Hein. Mais en tout cas, voilà, avec cette carte-là, je vais mettre là. Avec cette carte-là qui conclut vraiment ce tirage, je dirais l'existence qu'il est temps. Voilà, il est vraiment temps de trouver, comme je te l'ai dit, voilà, ta place, ton chemin, ton leitmotiv qui va vraiment te permettre de créer, d'être qui tu es et de regarder devant toi, effectivement. Voilà, toutes les petites étoiles qui brillent, tout ce que tu as pu accomplir, tout ce que tu vas encore accomplir, et de te faire surtout confiance qu'elle est quand même protégée, tu vois, elle n'est pas, elle est soutenue, elle est maintenue, et j'ai envie de te dire, fais confiance à l'univers, ça revient vraiment un peu au tirage de cette semaine, fais confiance à ce qui va arriver, à ce qui va venir à toi surtout, parce que franchement, là, pour moi, avec cette carte-là, j'ai envie de te dire, voilà, soit dans la plénitude, soit vraiment, bah, tu vois la plénitude, hein, effectivement, soit dans la plénitude, soit vraiment dans l'accueil de ce qui se passe, ce qui va arriver à toi. Car pour moi, là, il y a de belles choses. Tu vois, on sent que son visage, à cette personne-là, elle est sereine, il est serein. Il y a les chakras qui sont bien alignés. On te dit que là, vraiment, il y a une belle, belle révélation qui va arriver. Chez toi, donc fais-toi confiance. Honnêtement, fais-toi confiance parce que pour moi, là, d'ici peu, voilà, y a un déclic. Il y a un déclic qui va se faire. Il y a quelque chose de très positif et je te dis, soit ça va être professionnel, tu vas demander une formation ou tu en attends une réponse, ça va arriver à toi. Pour d'autres personnes, on te dit qu'effectivement, il y a un petit déplacement, en tout cas, il y a voilà, un ressourcement qui est prévu également. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est un très très beau tirage. Je te souhaite en tout cas une très très belle soirée, une bonne reprise pour demain. Prends soin de toi, profite de la vie et j'ai envie de te dire, on se retrouve demain pour l'énergie de ce mercredi 4 janvier. Belle soirée, à bientôt!